l'exemple d'une situation qui nous a beaucoup marqué, c'est un migrant qui est venu au centre et qui présentait une vulnérabilité psychique et en fait qui savait pas, qui se rappelait plus de, du village en fait d'où il était originaire. C'est-à-dire qu'on a un bénéficiaire qui est devant nous et qui sait pas en fait où est-ce qu'il habite. Et c'est là où on se rend compte en fait que bâtir un réseau également de partenaires, d'avoir des gens qui sont assez réactifs, comment ça peut être, comment c'est même incontournable quand on est dans ce milieu-là. Et c'est justement grâce à nos partenaires et tous les acteurs qui sont regroupés autour du comité de gestion du centre qu'on a pu, dans les 48 heures, voire 72 heures, localiser sur lui, ce dont il se souvenait très rapidement, des bribes de village, c'est à côté de quoi. Enfin voilà, parfois on est très, très, très scolaire. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir un contact du chef de village, avoir un contact qui, le soir, nous a contacté très rapidement pour aller dans la famille du bénéficiaire et nous revenir, que le bénéficiaire a pu parler avec sa famille. Donc ça, ce sont des instants comme ça, des situations comme ça qui n'arrivent pas tout le temps, mais quand on arrive à trouver une solution qui sont quand même très, comment dire, très, très gratifiantes pour toute l'équipe.